bosser. Ouais, ok. Bon, tout à l'heure alors. Hein. Au revoir. On revient un peu. Ça va, Steve, ouais. Ouais, nickel. Bon alors, tu me présentes le Zunder? Il est où? Il est là, Zunder. Il est là. On ne peut pas passer à côté du stand Maginport. Bon. Parce que moi, j'avais pas vu, tu vois, sur internet, le prise à droite, prise à gauche. Ok. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Vas-y, fais la démo, Steve. Explique le quoi qu'est-ce de l'avantage par rapport à un banjo standard. Bon, le banjo standard, c'est celui-là. Qu'ils arrêtent de faire du bruit. Vous tombez toujours sur des stands ou à côté, ils font du boucan, c'est dingue. Fait exprès, parce que nous, on fait plus de bruit qu'eux encore. Donc, tu disais... Le nouveau Zunder. Ce qu'il a de génial, c'est qu'il va avoir la molette pour les angles. Directement avec la roulette pour les plats. Ouais. Et ensuite, il a une poignée à droitier, droite. Une poignée gaucher. Et quand tu l'ouvres, par contre, ensuite, moi j'ai trois fixations. Là, une seule fixation. Ah, ça c'est bien ça. Hop. Parce que j'en avais marre moi, de perdre mes fixations, tu sais, là. Et donc c'est... plus rapide. Oh, et t'as enlevé le... Ils ont enlevé le tissu qui avait... Il servait à rien. Bah oui, moi, servait à rien. Je l'ai viré et puis je me faisais chier à déboucher en plus. Exactement. Alors que ça servait à rien, mais j'aime bien avoir mes outils propres. Voilà. Okay. On essaye quoi? Ouais, attends, et le réglage? Le réglage? Moi tu fais le réglage du débit. Ici, réglage du débit. Oh, putain, ici, là. Ouais, regarde. Réglage du débit, là. C'est mieux ça parce que l'autre, il se gorgeait d'enduit. Et puis c'était chiant parce que du coup, des fois il sautait. Après, c'était. Voilà, c'était bien. Là, c'est là, on bien. Est au top. Ouais, là, c'est bien, c'est au top. Là. Et donc l'avantage que tu vois par rapport à. Pourquoi qu'est-ce que j'en parle? C'est parce que toi, quand tu fais. J'avais montré dans la vidéo. T'étais obligé de te taper les droites avec ça, et après tu changeais la molette, tu prenais le temps à la remettre dedans, voilà, t'as ça, fallait ouvrir, et du coup tu étais obligé de te faire les coins après, alors qu'en fait t'es dans un endroit là, tu prends, tu inverses et tu continues, t'as pas besoin de réouvrir et réinstaller, tu t'as plus qu'à faire. Vas-y, attends, c'est moi qui dois essayer de la mettre là pour voir si c'est facile à faire. Quand je suis en mode je colle, c'est ça. Il faut que je sois en situation là. On met de l'enduit non? Ouais, tu veux? Bah oui. Bah, oh, mais on va le pourrir tu là. Tu le fais? Ah, on pourrit, Bah, vas-y. Ah, ok. Bon. On y va. Ok. Ah, il est tordu ton. Non, mais le rouleau il est un peu. Ouais, c'est fait exprès, c'est pour que ça tienne bien. Ok. On met l'enduit ou quoi? On met l'enduit. On va faire ton salon aujourd'hui? Non. J'ai essayé. Ah, bah, c'est celui-là que j'ai essayé. Hein? Les gars, je vais vous en parler ça prochainement là. Colératis, c'est celui-là? Colératis. Enduit à tout faire, on en parlera plus tard. Donc l'enduit est dilué hein, déjà. Ouais. Je suis super content son enduit. Tant mieux. Moi aussi. Ouais. Ouais, on se dira là. Par contre, t'as vu, il est pas trop liquide là du coup. Non, là, il est même pas liquide du tout. Hein. Ouais. 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 Par contre, t'as vu, il est vachement souple à utiliser. Je l'ai utilisé dans mon banjo, je l'ai utilisé dans mon bazook. C'était... Putain, t'as vu, il n'y a qu'une fixation. C'est plus facile. Ça, hein. Ouais, ça va plus vite. Hein. Ok. Bah, t'es en position minimum, combien là minimum, ouais. Je suis au minimum là. Donc là, on va mettre au moins. Vas-y, tu t'emmerdes, tu prends le temps de consulter tes SMS ou quoi? Il n'y a pas un café. Regarde, et hop, maximum. Maximum, ça correspond à la position 4 de l'ancien? Je pense, à peu près. À peu près? Ah non, ça a l'air de balancer plus de débit moi, en fait. Moi, je mettrais plutôt moitié. Hein. Ouais, toi, tu le gères à combien? Sur l'ancien banjo, je colle à 3,5. T'arrives à faire 3,5 toi? Ouais, 3,5 sur l'ancien. C'est fort. Parce que normalement, c'est des crans. C'est comment bien. Tu fais 3,5? Bah là, moi, ça faisait clac, 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 j'arrivais pas. Ouais, c'est écrit sur le banjo là. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais justement, ça faisait clac. Ouais, bah moi je colle. Ah ouais, je sens la sensibilité. Oh ouais. Ah, mais t'as personne de coffre fort toi. J'ouvrais des coffres en vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc là, je suis en 50, moitié. Voilà, moitié. Moitié. Parce que là, il a une plus grosse ouverture que l'autre. Un petit peu. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que les mecs qui travaillent au saut, qui n'ont pas l'habitude et qui, des fois, sont un peu denses et ils n'ont pas bien mélangé, ils se retrouvent vite bloqués à la machine. Ok, je le note. Tu veux une patule? Attends, t'as déjà mis des bandes partout? Oui, mais on colle au milieu, on s'en fiche. Ok. Ok, on colle au milieu. Ok. Attends. Hop. T'as vu, même en bâtiment, on a un visuel sur mon derrière. Non, non, il est peut-être pas dans le cadre. Il est même pas dans le cadre. Attends, parce attends. Tu me donnes la spatule? Passage de témoin. Hop. Voilà. Et comme il ferait Steve, t'as un visuel de côté? Voilà, comme il ferait Steve. Et si je veux du coup changer la molette maintenant parce que je dois me taper le coin,
et tu dois... Tu veux que je recolle par-dessus l'autre? Ouais, on recolle. On s'en fout. Du coup, là, je le déclipse à la main comment? Je pousse. Tu tires sur le côté, là. Ah oui, c'est l'autre côté. Oh, bah, c'est hyper simple. Et tu refixes. Et je refixe, et puis c'est tout. C'est ça. Donc, et là, puis, voilà. Là, l'enduit, je suis pas sûr qu'il soit assez... Voilà, t'as compris le business? T'as pu à démonter, puis à insérer. Ok. Et normal, quoi. Alors, moi, je suis petit à côté de toi, moi. Toi, t'en sors beaucoup, quand même, hein, de la bande. Hein. Ouais, j'ai des réflexes. Là, l'enduit n'est pas assez dilué, tu vois. Non, c'est que... Ah, ouais. On n'a pas dilué assez l'enduit. Ouais. Et t'allais un peu fort, mais c'est pas grave. Ouais. Recolle. On a vu le principe. Ouais. Recolle dessus. Et va doucement. Ça fait crado, là. Recolle dessus, je te dis. Moi, je bosse, quand même. T'as vu, j'ai fait mon exigeant, hein. C'est bien. Je suis le chieur de base, hein. Dans l'habitude, hein. T'as ton temps, c'est bon. T'as pas mal au bras? Non, ça va. Non, ça va. Il y a la marche. Ok. Vas-y, en a encore une, Steve. Non, mais celle-là, c'est... Allez. Vas-y. Allez, j'ai plus besoin de faire du mauvais boulot. Oh, punaise. Attends, sans en pas tant que ça. Ouais. Sans en pas tant que ça, juste mets-la en place. Juste comme ça. Voilà, et va doucement, là, juste pour... Parce que là, mon enduit, je sais, là, il est un petit peu... Il est pas assez liquide. Faudrait qu'il soit plus liquide, hein, l'enduit, pour utiliser le ventre. Ok. Quand t'arrives, tu peux lâcher en haut, quand t'arrives okay. En bas, tu t'écartes comme vas-y. D'habitude. Comme je m'écarte comme d'habitude. Et tu... Et je fais ça. Je fais ça. Par contre, la sangle, elle tient bien la main. Oui, alors c'est la nouvelle sangle, avec un velcro, elle s'adapte à toutes les mains. C'est ah, ça, un énorme c'est... avantage. T'as entendu ça? Vas-y, répète parce que t'étais pas face à la caméra. Ici, on a une nouvelle sangle avec un velcro, donc on peut s'adapter à toutes les tailles de mains. L'ancien, il y avait une seule sangle. On est bien. C'était difficilement réglable. Là, on est au top. Et en plus, on a droitier, gaucher, ça répond à tout le monde. Ouais. Je me suis pourri les mains, mais... Non, elle est bien. Hein. Meilleur maintien sur la main. Et par contre... Tiens, j'ai mon lavabo, là. Et j'ai vu que, regarde, le positionnement du rouleau, il est pas légèrement plus large. Si, regarde. Ça là. C'est par rapport, tu sais, au problème de, il y a quand tu fais les coins et les angles, qu'il y avait la bande qui faisait ça, regarde. Ben là, regarde, le truc plus large sur le début, ici déjà, plus de prise, mais regarde l'autre côté, il me semble qu'il est plus large, aussi. Alors, ouais, retourne ce banjo, il y a plus de contenance, hein, aussi, il est plus grand celui-là. T'as plus de, parce que là, il y avait combien, 2 kilos. 2 kilos, là, il y a un petit peu plus, je ouais, sais pas exactement, mais il y a un petit peu plus. Okay. On fait quand même plus de distance avec tu vois ça. La taille qu'il fait, à comparer les tailles. C'est toujours Delco en plus. C'est le devant plutôt. Ah ouais, un poil plus grand. Ouais, mais manipulable pareil. Exactement. Pas comme les grosses caisses là où tu mets la bande dedans. Tu fais des moments pour le collage. Ouais, parce que t'as vu que j'étais pas valable. Si. Ouais, non, mais vas-y, non, mais... C'est toi la star, hein, moi je. Quand j'arrive en bas, je coupe et je serre. Non, merde, le trépied. Hein? Le trépied, là, je me le prends entre les jambes. Ouais, mais ça stabilise, il faut le poser sur le sol, en ouais, fait. Mais... Ça évite de bouger. Bon, bah on a tout fait. Donc, vas-y, filme Steve, maintenant. Ils ont compris, hein. T'as compris, toi? Est-ce que toi, t'as compris? Exactement. Bon, bah alors, ça veut dire qu'ils ont compris. Bah, ça veut pas dire que toi, t'es à un bas niveau, hein. Bon, vous savez comment j'ai mis en boîte en direct en plus tu dis tu suis ou t'as quelque chose à rajouter? Bah vous repasserez peut-être dans la semaine. Ouais peut-être. Puis voilà, bah venez nous voir chez Majimport. Ok. Majimport.com. Voilà, c'est mes copains. Allez, tu sais kids.